Tu vois, ça, moi, dans la vraie vie, je pourrais pas le faire. Ouais, moi non plus. Et c'est hypocrite parce que je me régale quand je vais chez le charcutier. Ouais, mais c'est juste qu'il y a une étape où on préfère la skip. Hein. Après, en SVT, j'avais fait une grenouille et je suis tombé dans les pommes, mais ça, c'est pas grave. Mais attends, ça se trouve, ça vient de là, ta phobie du sang. Et c'est possible, hein, parce qu'en fait, il y a des odeurs comme ça dans la vie que t'oublies pas. Et je me souviens des jours où on disséquait les grenouilles, je me souviens parfaitement de l'odeur qu'il y avait dans la salle. C'était vraiment dégueulasse, quoi. Hey Patrus. Ouf, le con. Hein. Arthur, c'est pas grave, mais laissez-moi le cerf. J'ai faim. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du corps à corps, le fiston, il a 12 ans. Oh, le ben voilà. Oh, il prend il prend des dingueries. Ta vie est vraiment... attention. Ah, ça va, t'inquiète. Bon, alors là, ta vie, par contre, il faut vraiment chercher de la vie verte. Je suis daltonien, donnez-moi de la vie. Cherche un point lumineux quelque part, s'il y en a. Apparemment, les flèches d'Atreus cancelent ses attaques. Du coup, je vais peut-être attendre qu'ils soient en train de m'attaquer, et je vais dire, ça va, gamin? Tout se passe bien. Mais il prend des roues avec des rochers. Il prend tellement cher. Ah, j'ai bien pris celle-là. Utilise tes émotions, Atreus, c'est pas le moment, mais... mais bon... Allez, le petit dernier coup dans l'anus. Waouh, allez, voilà. Voilà, une bonne rouste. Ça se termine comme dans les bars, coup de poing à la gueule. Oh, ça me fait mal pour lui. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette bataille avec un premier boss? Alors, dès lors que j'ai arrêté d'essayer de faire des trucs bizarres et que j'ai juste bien utilisé mes esquives, j'ai pris du plaisir. Impressionné par la qualité des combats et l'environnement aux alentours? Pas du tout. Le gars qui est très sincère. Faut le dire ou faut pas le dire? Oh, bah ils sont pas trop cons normalement puisque la vidéo ils va sortir cons, et ensuite il y aura le live. On n'est pas la date à laquelle vous êtes, voilà, on vient du passé, on va vous faire un petit live, voilà. On vous dit pas là de quand ça date, comme ça vous pouvez avoir l'espoir de vous dire ah si ça se trouve ça date d'il y a, allez, 2-3 jours. Alors qu'on a arrêté, j'ai la clim à fond, on est en été. Il n'y a pas encore le Covid. Ah, bah non, comment je le sais. Bah ouais. On va jouer à God of War, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps sur, sur PC. L'excellent God of War, qui a enfin son portage PC. Et tu vas mieux en parler que moi, parce que moi, God of War... Moi, j'ai joué à aucun jeu sur console, du coup, je suis vierge. Je suis une petite toute fière, j'attends vraiment qu'ils viennent à moi sur PC. Je veux pas aller vers eux, vers les consoles. C'est de merde, hein. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que moi j'attends qu'ils arrivent sur l'Epic Game Store. Ah voilà, oui. Voilà pourquoi j'attends. Je suis d'accord avec toi. Parce que... Et du coup je regrette d'y avoir joué sur console parce que j'aurais pu attendre qu'ils soient sur l'Epic Game Store. Voilà, et pour tous ceux qui ont attendu vaillamment que ça arrive sur la meilleure plateforme, vous pouvez maintenant y jouer sur l'Epic Game Store. Et ça c'est la vraie raison. Si vous aussi vous êtes pas des lopettes comme Arthus et que vous voulez combattre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Lark? Ah bah ils peuvent aller sur l'Epic Game Store et mettre le code créateur Wankill. Et ça nous régale. Exactement. Tu vois, je sais quand même que ce mec s'appelle Kratos. Normal, tu connais la mythologie bretonne. C'est un breton, ah d'accord. Kratos en breton, ça veut dire Caradoc. Et Caradoc en breton, ça veut dire saucisson. C'est de la merde. Saucisson, et c'est le dieu de la guerre, si je suis pas trop con. Voilà, là, tu vois finalement. En vrai, je connais bien le jeu, hein. Et il aime bien écouter les arbres. Bon, c'est pompeux, hein. C'est déjà très pompeux, hein. Il écoute les arbres. Hein. Et donc l'arbre là, c'est son fils, c'est ça? Bon. Attends. C'est pour m'emmerder avec l'histoire. Ah! J'ai envie de remettre un coup là. Connaissant Vas-y. Kratos, il aurait pu quand même casser cet arbre en un seul coup de hache. Ouais, j'avoue, dieu de la guerre ou pas dieu de la guerre? C'est qu'un arbre, c'est un séquoia! Nique-lui sa mère! Voilà! Ah oui, c'était un. Ah oui, d'accord, ouais, il était balèze en fait. Ça va, c'était pas un arbustre. Et ça, d'après toi, c'est quoi? Sa main? Bon. j'ai pas compris la question. J'en ai trouvé. Oh, lui, ça y est, c'est son fils. Il s'appelle Merdos, Kravos. Je sais pas comment il s'appelle. Kravos, c'est un Pokémon. Arthéus, il s'appelle. Allez hop, on le ramène à la maison. Oh, d'accord, ok, ouais, c'est full shité quoi. Vraiment, il y a. Bah, c'est Kratos, hein. C'est vrai que le jeu est joli. Quand on se dit que ça a 3 ans. Père. Oh bah arrête de te dire comme si c'était un truc que, mais t'es un truc de ouf, hein. Pour un jeu rétro, franchement, c'est sympa. On dirait que tu parles d'un jeu Mega Drive, là. Regardez l'éclairage. D'accord. Mais putain, on savait faire ça. T'es de merde. Ouais, oui, le jeu était une véritable claque quand il est sorti, et encore aujourd'hui, il est super beau. Mm-hmm. Oh, le t'es...
On a compris qu'il était fort, hein. Quand je vois que j'ai un peu de côté tout à l'heure parce que j'ai pris un meuble qui était dans ma salle de bain pour le déplacer dans le couloir. J'ai acheté un aspirateur à la Fnac qui est à 10 minutes de chez moi et il était vendu avec sa base exceptionnellement en promo et en fait le tout faisait 10 kilos. Eh bien, porter 10 kilos pendant 10 minutes m'a montré que je devrais aller à la salle. Parce que j'allais dire, 10 kilos c'est raisonnable. J'ai mal au dos depuis 2 jours. Ah ouais? Mon corps il s'est tassé sous le poids du... Ah. Attends, t'as pas déjà un aspirateur robot? Alors si... Tu veux qu'on parle aspirateur? Tu veux dire qu'il aspire pas tout très bien et en plus il étale la merde de ton chat dans tout l'appartement? Ouais non mais j'aspire pas... J'ai pas acheté cet aspirateur pour aspirer la merde de mon chat. Arteus, rends-toi utile, bordel de con. Il est tatoué le gamin à son âge. Ouais, oh, bravo, la décadence. Hein. Oh, puis à cette époque, je sais pas ce qu'ils foutaient, ils gardaient leur mort là. C'est sa mère. Bah, il faut l'enterrer, hein, excusez-moi. Enterre ta mère là. L'odeur. Non, mais ils l'ont peut-être éviscéré, t'inquiète. Ouais, propre. Un peu de gingembre, un peu de citronade. On met tout ça à cuire 10 minutes. Persillade. Qu'est-ce que tu fais? Il va prendre une rouste. Une bonne raclée. Arrête de chier. Kratos l'alcoolique du Nord. Ah non, ils vont juste la cramer. Ah oui, c'était pour ça la persillade et tout, tu m'as spoil. Ah, mais non, mais je savais, j'avais oublié. Une blague un peu limite, hein, Damien. La persillade et les échalotes. T'as bien chassé? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant. Ah mais il le connaît pas beaucoup en ouais, fait. Attends, il ouais. A pas élevé en fait. C'est genre il a quitté le foyer il y a longtemps en fait. Ouais. Et là en fait il doit revenir, fait chier parce que la daronne ouais. Elle est morte. Putain. Putain de merde là, la cave qui fout rien là. Déjà la pension ensuite ça. C'est très bon pour se brosser les dents là sans doute. Ça a des vertus. Ah. Ah. On va quand même récupérer sa bourse. Mais non, il a mis les cendres quelques dedans. Euros. Le voilà. Oh. Attends. Vite, laissez-moi appuyer, je vais lui envoyer une hache dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, il va se méfier. Le père alcoolique revient. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, sois meilleur. À deux doigts de lui dire qu'être désolé, c'est pour les lopettes ou un truc comme ça. Il est vraiment genre. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Ah putain, faudrait presque qu'on s'accroupisse et que quelqu'un assez petit y aille. Je me demande comment on va faire. Même pas en rampant, tu y arrives. Genre, ouais, mais de ouf, genre vraiment. Ah bah ouais, ouais. Ouais, peut-être faire ça. Ouais. Ah non, il faut tourner un truc et ensuite faut la congeler. Incroyable. On la tient d'une main et on fait ça, là c'est vraiment. Et attends, à droite, y'a pas un truc qui s'est levé? Si c'est pas de l'argent, ah, ça. Ah si. Si c'est pas de l'argent. Oui, c'est ça, des loot box. Je sors ma CB s'il me le demande maintenant. C'est quoi? Pas besoin, c'est de l'argent. Tout est pour moi. Mais attends, c'est je bien, ça fait de la thune. Hein. Ouais. Je vais considérer euros, que. Ouais. Avec l'inflation. Je préfère me dire c'est que c'est des euros et ça fait très plaisir à chaque fois que je les récupère. Ce n'est qu'une cible. De ton esprit. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui contrôle la visée d'Arteus. Expire et lâche la corde. Le cœur est à peu près ici. Je vous le dis. Et non, malheureusement, c'était un cerf magique. Le cœur est dans l'anus. Ah ouais, mais tu vois, ouais, c'est la subtilité. Eh bien, envoie-lui une salve de flèches. Vas-y, encore, encore. Mets-lui tout. Je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait. Vraiment, c'est honteux. C'était trop violent. Qu'est-ce que tu risques à mes grosses patates de forain? Sympa, ah, vraiment sympa, j'aime bien. Ah, oui, j'aime bah bien. Voilà. Ça, j'aime bah, bien. Petit à petit, tu vas être conquis et tu vas commencer à arrêter de chouiner et je te verrai en train d'y jouer en off. Ils ont pas eu tout faux hein, sur ce jeu, hein, vraiment. Oh, oh, oh putain, non, mais je peux pas ouvrir les coffres comme tout le monde. Le mobilier. Oh non. Oh l'argent. Comment tu vas faire pour récupérer cet argent? Atreus, va chercher l'argent. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Putain, il met longtemps à réfléchir. Ouais. Wow. Le frère, il a pas pu répondre. Hein. Le singe avec des cymbales à l'intérieur là, c'est très grave. Est-ce qu'on dit c'est un très bel immeuble mais le dernier étage est vacant? Oh putain, alors là, ouais, je connaissais pas l'expression, elle est sympa. Elle, hein. Elle vient de loin celle-là. C'est ma touche favorite, ça y est. Oh, oh. Regarde. Mirkish. Je croyais que t'avais chanté. Oh ouais. Oh ouais, attends, et ça c'est. Oh, je dirais pas que ce serait pas par hasard Epic Game Store qui nous aurait putain, régalé. L'Epic Game Store, bouclier rare. Ah, oh, c'est beau ça. Celui-là, non, celui-là il est beau. Celui-là il est très beau lui. L'arc,
Bah toi t'auras rien du jeu, je vais rien te changer, t'auras rien, jamais rien. Je vais même d'ailleurs mettre un lance-pierre à la place de ton arc, tu vas te démerder avec ça. Ça c'est de... ça c'est ouf ça. Ouais mais t'as pas assez. Ouais c'est ouf parce que je le faisais tout le temps en fait ça, donc dommage. Attends, t'avais un truc chez le fiston à améliorer. Je le déteste, voilà. Je vais te le dire, je le déteste, je considère pas comme mon fiston. Donc... Ah. Bah c'est le métro qui passe au-dessus de la maison, hein, forcément, hein, c'est mal installé. Faut te culotter pour toquer chez le dieu de la guerre et dire c'est rien de caché. C'est le fils qu'on a une lettre de relance. Tu m'as dit qu'on avait tout déclaré. Je suis pas certain, je crois que j'ai lapé un petit document. Voilà, ça c'est une patate. Ah! Tu l'as pas vu venir celle-ci, hein? J'avais oublié, c'est mon cousin, le dieu des alcooliques là! Il a aussi une force surhumaine! J'appuie sur F, mais il y a le gamin qui tremble sous le paillasson! Merde! Ah, l'arbre à tout prix! On est un mec qui veut tout calculer! Ah, l'arbre à tout prix, ça a décuplé ta force! Oh, tu m'as saoulé! Oh! Dégage! Oh, bah, alors, ça, c'était bien fait ça! Bah on va le faire. Dégage. Ah ça c'est satisfaisant. Et v'là, et v'là, et v'là. Et v'là. Oh la purée de petits pois. Yeah. Wouhou. Comme un bon vieux temps. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. La personne est de regarder surtout pas sous le paillasson. Oh je suis en rage. Ouais, tu vois, il est vraiment très énervé. Voilà. Ah ouais. Oh, ça tabasse. Oh, yaya. Ouais, c'est incroyable. Oh, il m'a vénère, il a parlé de mon fils. Mais No Fake, c'est genre une des meilleures scènes de combat que j'ai vues de ma vie. Elle est incroyable. Ça ne s'arrête jamais. Non, mais je veux la reconnaître. Bah voilà, je te dis, pourquoi tu chies sur un des jeux consoles alors qu'ils ont sorti ces jeux-là. Parce que j'aime bien. La vidéo va être démonétisée par contre. Il y a un peu de sang. Deux hommes ultra musclés se battent dans la confiture. C'est ce que je mettrais quand je fais appel. Dommage que j'ai pas eu de la rage. Ouais, t'allais finir par en avoir, mais c'est pas changé jusqu'au bout. Dommage, j'ai été trop rapide pour le combat. Acier doux. Ah, crafter. Tu peux crafter des trucs. L'acier doux. Mais comment? L'actrice. Ah oui. La fameuse. Tu récupères pas ce que t'as cassé. Le mec est détruit. Il est dévasté. Genre vraiment. Oh, ce qu'il fait au gamin. Oh. Oh, il l'a tué. C'est la première fois qu'il tue un homme, non? Il veut sa maman. Imagine, le père il le secoue d'un coup super violemment le gosse là. Enfin, chalet, oui. Va libérer la chaîne. Oui. Allez. Oh putain. Là encore. Réflexe. Allez. Mais putain. T'as pris un coup sur le cochis ou quoi là? Allez. Mais j'en peux plus. On comprend Atreus, on comprend, c'est dur. Oh dans putain, bah revois la chaîne. Bon. Ah, Trus, si je t'attrape. Oh putain, attends, je vais te chercher. Voilà la montagne, allons-y. Attends. Bon, et là évidemment. Connard de gosse. Tu sais quoi, un peu de leçon, laisse-le tomber. Bah là j'étais en train de spammer pour prendre ma hache et couper les cordes, hein. Vraiment j'ai... C'est pas ça qu'il faut faire, je me pèse 500 kilos. Ah non, bah non, bah non. Encore des drogas. Mais il s'en fout. Il y en a 50. Mais non, arrête. Ils font la sieste. Ils font la sieste. Mais qu'est-ce que abruti d'enfant. Mais t'es en rage, mets ta rage. Ouah, ma rage. Attends, je fais là. Ah. Shift, click. Je fais. On va s'amuser. Dépêche-toi parce que c'est cool. Parce que je suis en rage. Qu'est-ce que tu peux. Wouhou. Oh, c'est déjà fini. Ah, oh, ça se découpe ça. Bien joué, le tir dans la fesse, abruti de gosse de merde. Hé. Hey, ah, ça te sert c'est la rage. C'est toi qui as fait ça. Ah. C'est quoi. Mais non, c'était un truc bénéfique, c'est... je crois. Mais oui, c'est toi, c'est pas... C'est toi qui as fait ça, abruti. Hey, c'est toi qui m'as donné 50 euros. Me dis pas un boss. Oh bah non, c'est du menu fretin, ça, on s'en bat les couilles. Alors toi, par contre, je te réserve... Oh là, ouais. Un coup dans le sol, bien mérité. Oh, c'est bien, Atreus, la diversion, ça, j'aime bien. T'as au moins appris un truc aujourd'hui, abruti de gosse. Hop là. le père qui est vraiment trop chiant. Imbuvable. Tu entends? C'est Gollum? Mais c'est vrai qu'on dirait Gollum? C'est Gollum! C'était un faux. Et lui aussi. Et lui aussi. Où est le vrai? Il est là! Attends, c'est quoi la particularité des sorciers? Ils volent! Oh oui. Oh!
putain. Prends celle-là, s'il te plaît. Ah, mais ça marche bien, hein. Merci, Arthus. Et il pratique le fiston de merde. Arthus, il va peut-être commencer à nous aider un petit peu, ça régale. Oh, mais toi, t'es un malade mental. Je suis vraiment un lâche, j'ai fini à distance. Tout ça est à toi. J'aurais voulu que maman voit ça. Casse l'ambiance à chaque fois. Pousse-le, pousse-le. Ah, il a hésité à le pousser quand même. Un geste suffit. Regarde ces traces. Adidas 46. J'adore ces preuves. On y va. Putain, c'est un sanglier poilu, hein. Il est bizarre. Hein. Mais j'ai touché pourtant. Merde. Vise l'anus, on t'a dit. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Si la peau est trop dure, vise l'orifice. La précision avant la l'anus, l'anus, l'anus. Voilà. Ah bah tu vois. Tu vois. Bien joué. Bonjour, belle Amazon. Vous savez que ma femme est morte. Je suis célibataire. Je rencontre une zadiste. Putain, c'est bien ma veine. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est son sanglier domestique? Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, il aurait vachement envie de prendre un thé, ouais. N'importe tiens, quoi. J'ai mis un peu de sucre. Putain, elle va nous faire d'Atreus un putain de botaniste. Fais chier. Voulant faire un guerrier. Tu as aussi la racine rouge? Le garçon est parti la chercher. Tu pourrais peut-être l'aider. Parce qu'il sait pas accueillir une fleur maintenant, le gamin. Il n'est pas assez puissant pour ça. Ah, donc c'est vraiment ça, il n'arrive pas à l'arracher. Je pense que c'est pas un dieu. Même pas un demi. C'est pas un, c'est une demi-crotte à la limite. Moi, Atreus, ta maman buvait beaucoup d'hydromel quand elle était enceinte. Toi ? J'aime pas trop les gens qui lèchent leurs doigts pour nettoyer quelqu'un. Mais c'est normal, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Si quelqu'un vous a déjà fait ça, c'est anormal. Hein. T'es front kick dans la gueule, hein, direct. Et bah toi, je te sens plus conquis. Ouais, non. Horizon Zero Dawn, The Last of Us, t'étais. Ouais, je suis d'heure là, je te sens un peu. Franchement, pour un jeu rétro, c'est quand même. c'est quand même extraordinaire. Le mec qui a fait le doublage, c'est Donald Renew. Et pour l'anecdote, il a fumé 35 paquets de gitane en un jour pour avoir cette voix. Il est arrivé au studio. Là.